On est après une petite vidéo sur GTA 5 Online où je vais faire une petite vidéo sur un glitch, comment avoir les cheveux invisibles comme celle-là. Là. Vous voyez pas très bien pourquoi en fait. C'est du bouton comme ça. Là vous voyez, les cheveux invisibles comment. Là, vous voyez, et le pantalon aussi. Vous pourrez changer que le haut les gars, quand vous aurez fait le glitch, vous pourrez changer que le haut mais pas le bas. Le bas vous pouvez pas changer parce que les chevilles elles vont s'enlever. Voilà, c'est un petit glitch très facile. Voilà, ça passe, c'est facile. Hein. Et aussi, je m'excuse vraiment aussi pour pas faire cette vidéo. Je suis en train de penser à plein de vidéos que je peux faire. Comment avoir le cheville invisible, comment avoir le sac de braquage comme là, et comment avoir le masque à gaz facile, hein, tout le monde sait le faire. Et aussi, comment avoir quoi encore, le tube et le casque. Le casque, quand je dis le casque, ça. Après si vous voulez l'avoir un peu après vous aurez une tenue comme ça, c'est pas trop belle hein. Ça c'est ma tenue, sac de braquage, tube et le masque. Celle-là c'est où il y a le casque. Bon, vous aurez qu'un t-shirt et le pantalon comme ça et le bas. Les chaussures, vous pouvez pas changer, sinon si vous changez cette tenue là, le casque il va sembler. Mais après il y a d'autres glitches hein, pour avoir le casque, mais moi j'y arrive pas. Si j'arrive mais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le glitch pour vraiment avoir le casque. Et bon, j'ai juste vu ce glitch, après j'ai voulu faire les autres glitch. Et bon, ça c'est ma tenue avec les cheveux. Et bon, voilà, c'est ça les poudres. C'est parti, on va commencer déjà directement. Déjà, faut que vous allez sur activité, activité jouer créé par Rockstar. Voilà, activité, jouer activité créé par Rockstar. Non, créé par Rockstar, vous allez sur mode révélaté. Mode rivalité, vous allez tout en bas, après vous montez un petit peu et là vous allez voir une case moi, vous prenez le premier hein. Moi ça marche avec lui, je le prends en préférence qu'il y ait 10 joueurs après, sinon vous pouvez pas faire le truc. Ah bah moi j'ai hébergé, j'espère qu'ils vont rejoindre après prendre des temps là. Le glitch, c'est le glitch pour le glitch d'Ailek, les gars, il marche très bien. Le problème, c'est juste que j'ai pas voulu continuer pour voilà, quoi, j'avais pris des bijoux pour rien. C'est pas ce que je voulais en plus. C'était pas que je voulais des bijoux, mais il marche très bien, les potes. Ne vous inquiétez pas, voilà, il est pas patché, un truc comme ça. Bon, je sais pas s'il est patché, mais là, peut-être que quand j'aurai fini la vidéo, j'allais sur ma veille pour tester s'il est patché ou pas. Mais il marche très bien, les potes. Faites juste la manipulation et après vous choisissez ce que vous voulez, choisissez ce que vous voulez dupliquer, après c'est bon. Bon là je vais attendre qu'il y a des gens qui vous jouent. Je vais mettre tout. Ouais. Putain. Donc de la partie, il n'y a personne en plus de la partie. Ah. Enfin quelqu'un qui on y va, on va mettre directement. Comme ça je fais les trucs. Quand vous serez dans la partie, vous appuyez le pavé tactile, après je vais vous dire ce que vous pouvez faire. J'attends qu'il se connecte. Aussi il y a un pote à moi les poteaux, il a trouvé un glitch d'argent sur GTA. Je suis choqué pour putain, glitch d'argent sur GTA, c'est chaud d'en avoir. Et il a fait, ça fait longtemps, il est toujours pas patché. Et il a toujours réussi le glitch, et il a pas eu de problème et tout, que Rockstar il le bannit et tout. Il a pas eu ce problème là, les poteaux. Le problème c'est qu'il faut c'est un glitch pour les riches. Ça veut pas dire que voilà, si vous êtes pauvre et tout, c'est juste qu'il faut avoir un centre d'opération mobile et un bunker. Moi j'ai un bunker et j'ai bientôt un centre d'opération mobile. Enfin un centre d'opération mobile et un dépôt. Moi j'ai trouvé un autre glitch et après j'ai envie de l'essayer. Je l'ai fait avec une pète, il a failli marcher, c'est juste que le problème qu'il avait trop oppresseur après, voilà quoi, c'est chaud de savoir c'est à quel oppresseur qu'il doit prendre. Bon, vous êtes dans le véhicule, vous restez dans le véhicule, vous appuyez pavé tactile. Vous allez sur style, vous allez descendre et là vous allez sur action. Là vous allez compter, vous allez compter jusqu'à
jusqu'à 40. Et après je vous dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 40. 40. Ok, putain, c'est pile sur ce truc. 40. Après qu'on fait ça, vous enlevez pas, vous allez sur PSN. Moi, je vais pas le faire, pourquoi? J'ai peur que ça s'enlève la vidéo et j'ai pas envie que ça s'enlève. Vous allez sur PSN et vous allez sur lecture, non. Multimédia, truc comme ça. Ouais, multimédia, vous allez dessus. Et après, vous allez tout simplement... Oh putain. Tout simplement, vous allez sur... vous faites ça, après vous allez sur multimédia. Et après, tout simplement, ça va vous faire suspension et tout. Vous acceptez. Après, ils vont vous dire des bails et tout. Ils vont vous dire ce que vous voulez, ce que vous voulez vous mettre comme ça. Ah non, merde. Quand vous allez mettre accepter suspension, truc, vous allez sur GTA, vous enlevez multimédia. Après, ils vont vous dire que vous avez quitté le truc et tout, votre connexion et tout, vous allez mettre 8 et tout, et après, ça va vous enlever, après vous allez réapparaître, et quand vous allez réapparaître, vous aurez la tenue. Bon, je vais faire juste une petite ellipse, pour là, faut que je suis obligé d'enlever la vidéo, du coup, pour faire le glitch, sinon ça va enlever la vidéo. Et là, je vais juste faire une ellipse, j'ai peur que ça enlève la vidéo, que je la sauvegarde pas. C'est bon, ça, alors c'est parti, je vais juste faire l'ellipse vite fait. Attendez, style. Putain, ça va être chaud après avec lui là. Attendez, les poteaux, je vais faire un petit ellipse là. Et voilà, les poteaux, je l'ai fait. Je suis allé sur lecteur multimédia et ça m'a fait suspension et tout. Et après, ça m'a, quand j'ai enlevé, quand je suis allé sur GTA, ça m'a fait connexion, je sais pas quoi. Et après, voilà, là ça charge tout simplement. Et si ça a bien marché et que vous avez bien fait, normalement vous allez apparaître avec votre tenue. Bon, moi je vais apparaître avec ma tenue normalement. La tenue du jeu, hein, pas la tenue d'activité, pas la tenue que vous avez. Et quand vous avez la tenue d'activité, vous allez en haut dans votre chambre, dans les vêtements. Et vous allez mettre chaussures et tout. Voilà, regardez, moi je suis apparu avec la tenue. Là je vais mettre directement. Je vais aller directement en haut. Et je vais mettre sur vêtements et tout. Et je vais mettre sur chaussures. Et tout simplement. J'aurais simplement les chaussures, les chevilles pardon, invisibles. Après vous choisissez les chaussures que vous voulez. Bon, moi je vais choisir chaussures là comme je veux. Et le casque qui s'enlève normalement. Ouais. Si vous voyez des boucles d'oreilles et tout, c'est juste que vous faire un glitch pour avoir les bras invisibles, ça n'a pas marché. Pour avoir les bras invisibles. Mais j'ai un autre glitch que j'ai réussi à avoir les bras invisibles. Là je vais faire une vidéo pour vous montrer comment je fais. Quand vous êtes dessus, vous allez sur chaussures, vous allez mettre les baskets que vous voulez, moi je vais mettre cela, et là vous voyez, les chevilles invisibles. Je peux vous montrer bien que j'ai les chevilles invisibles, regardez. Voilà. Pas de chaussures, je vais mettre. Voilà, et si vous mettez pantalon ou poteau, ça va s'enlever tout simplement. Et oui, ça s'enlève. Pour ça, je vous conseille de ne pas le mettre. Après, après le haut, vous pouvez changer en tout cas. Avec. Moi je vais mettre par-dessus, après j'aime bien, ça fait mieux. Voilà, tout simplement ça, voilà quoi, ça fait comme ça les poteaux. Vous faites ce que vous voulez avec le lit, tout simplement. Après vous avez aussi le truc de motard, hein. Le truc, je sais pas c'est quoi ça, le haut là, vous voyez le truc au haut là, vous avez ça aussi. Mais après je sais pas quoi ça sert, en tout cas j'aime pas. Mais bon, si vous déjà ce truc, j'ai juste envie d'enlever le truc là. Alors comment je vais faire pour enlever? Voilà. Ah voilà, c'est bon. Voilà quoi. Mais je vais pas mettre torse nu, je vais mettre. Voilà, après, vous devez sauvegarder bien sûr. Hein. Bon, moi je vais pas sauvegarder, pourquoi je l'ai déjà. Regardez, j'ai les bras invisibles, mais ça marche pas en fait. Après, je vais vous expliquer pourquoi. Regardez. Après, je vous explique. Dans une autre vidéo. Ouais, j'espère que la vidéo elle s'est pas enlevée. Hein. Ouais, c'est rien, ça les poteaux. Hein. Je sais pas si les joueurs qui m'ont exclu. Vous inquiétez pas, ça va pas vous faire aussi ça. Sauf si les joueurs vous exclure. Bon, c'est ça. Hein.
Bon, j'espère que vous avez aimé mais surtout mettez la tenue directement sur le permis parce que sinon vous aurez voilà quoi. Sinon vous pouvez avoir des chances que quelqu'un vous espionne et tout, vous n'aurez plus la tenue. Vous êtes encore obligé de refaire. Bon, c'est une manipulation très facile plutôt. Sincèrement, moi je me suis habitué. Et bon, je voulais vous partager avec vous les poteaux. Et bon, histoire que vous avez aimé, mettez un petit un pouce bleu et abonnez-vous pour aller bientôt aux 300 abonnés les gars. Et voilà, ah bah je suis apparu pour maintenant. Voilà. En fait non, ça fait rien en fait, je suis apparu pour maintenant. Et voilà les poteaux, histoire que vous avez aimé, bah c'est ça. Et mettez en commentaire ce que vous voulez que je fasse. Et bien sûr, il y aura encore des vidéos comment avoir les bras invisibles, le sac de braquage, et aussi... après il y a quoi aussi? Et il y avait plein de trucs. Et je me souviens plus du tout. Mais bon, c'était ça. Ah oui, le tube et le casque. C'était ça, et aussi le masque à gaz. C'était ça, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, peace!